Yop à toutes et à tous, ces petits amigos, on se retrouve chez le trader du Nord sur Deadside. Je suis solo pour le moment. Jay est parti se reposer après tout le bordel qu'on a eu hier soir. Des moments, il faut bien se reposer. J'en profite, moi, vite fait, pour aller voir à la base comment ça s'est passé. Est-ce qu'on a été raid ou pas? Je prends le risque. Écoutez, j'ai tout acheté. J'ai dépensé tout mon argent. J'ai acheté 300, 400, 450 clous quasiment. Pas 400, pas quasiment. J'ai pris le kit. Ça normalement je crois qu'il nous en manque deux composés électroniques et 4 de ça, on a les piles. J'ai ma MP5, j'ai pris un petit peu à manger. Écoute, on va manger. On va manger un petit bout. Vas-y, mange un petit bout, gros. Et puis on va remonter. On va aller voir ce qui s'est passé. Et si possible, on va commencer de faire des murs. Parce que comme vous l'avez vu la dernière fois, eh ben, on n'a pas eu de bol. On a perdu un token sur un coup de feu malencontreux, mais ça peut arriver, c'est le jeu, et ça peut nous arriver à nouveau. Et pour le moment, notre base, et eh ben écoute, il est vrai que les mecs, s'ils ont trouvé la base, s'ils sont montés nous raid, ils n'ont pas eu beaucoup de travail. Alors après, je suis triste pour eux, il n'y avait rien dans la base, quoi. Je veux dire, les mecs stuff comme ils étaient, si c'était juste pour vider et récupérer une hache et deux merdes, c'est dommage. Mais bon, c'est la vie, donc on va essayer d'aller fermer cette putain de base. Alors là par contre faut pas que je me fasse tuer en route, hein. Là sinon je suis triste, hein. Bon, les clous d'accord, parce que j'y ai quand même bouffé, je sais plus, je crois que j'avais 14 000. Je pense que c'est des roubles et pas des dollars, parce que sinon ça serait peut-être un peu cher. Par contre j'ai le kit de réparation électronique et lui peut nous permettre d'avoir un code lock assez vite et j'ai pas du tout envie de le perdre. Donc on se retrouve à la mèze et on constate les dégâts. En avant les aventures les gars. Bon, 3 minutes de sprint plus tard, sans mauvaise rencontre, j'arrive à la mèze. C'est là qu'on va savoir la vérité. Est-ce qu'on s'est fait dépouille man ou pas du tout? Dur à dire, on va voir. Pour le moment, ça a l'air calme. Bon, bah pas de dégâts forcément, il n'y avait pas besoin d'y avoir de dégâts. Et bah non. Tiens, je vais poser ma bouffe. Dans cette caisse-là, je pense qu'on a tout. Ouais, ils auraient au moins pris l'AK. Et là... pareil. Alors écoutez, je vais stocker des trucs. On va défoncer des talkie-walkie. Bah non. Non. Apparemment, non. On s'est pas fait... on s'est pas fait raid. Les mecs ont pas estimé que ça valait la peine. Et grand bien leur fasse de se déplacer jusque vers nous. Alors là, par contre, je vais construire léger, là. Là, on va pas s'emmerder la vie. On va prendre le bois. Je suis con, moi, je fais les glisser déplacer, alors qu'en fait, il suffit de faire ça. Ça, est-ce que je peux les démonter? Ça nous donne... oh putain, mais c'est magnifique. Ça, la lampe de poche. Allez, vas-y. Ah, il en manque. Par contre, ça, il va m'en manquer. Ça sera pour la prochaine fois. C'est pas grave. Ça sera pour la prochaine fois. On va commencer de fermer ce rez-de-chaussée. Alors, où est-ce que je vais mettre ma porte? Ici, j'ai laissé un espace vide pour mettre un escalier. Oui, on aura un super joli visu normalement là-bas. Donc je pense qu'on mettra des fenêtres au premier étage ici et ici. Et probablement aussi ici pour avoir visu sur là. Ouais, ça me paraît correct. Alors voyons ça. B, la porte. Porte avec code lock. Où elle est? Porte avec serrure. Hop, il y a les doubles grandes... c'est bien ça, les doubles grandes portes aussi. J'aime bien ça. Tu vois à quoi ça ressemble? Ah non, mais ça c'est gigantique. Mais comment tu mets ça? Ah, c'est pas pour la... D'accord, c'est pour avoir des garages au rez-de-chaussée. Ok, ce n'est pas grave. Donc ça, c'est cravaté. Ça, mur avec porte et serrure, mur avec porte. Nous, c'est ça qu'on veut. Par contre, le problème, c'est que la porte, elle donne en plein sur la caisse. Ça veut dire qu'on pourrait pas rentrer. Et ouais, et si je la mets là, c'est pas pratique. Je vais pas la mettre de ce côté parce que c'est un peu dangereux. Je pourrais aussi bien la mettre de ce côté, la porte. Ouais, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Vas-y, en haut, je voudrais. Oh. Putain, je vais être obligé de rentrer, tu vas voir. Attends, on va le faire monter. Bougez pas. Ok. Donc là-dedans, qu'est-ce qu'il va nous falloir? 14 clous, un code lock et 18 bouts de bois. On va mettre des murs. Ok.
Allons-y, mur, mur, mur. Alors là, par contre, d'habitude, vous savez que j'aime bien avoir moi des murs avec des fenêtres, mais là, on va pas prendre le risque quand même. Ici, ceci dit, ici, on pourrait, parce qu'on est haut. Ouais, mais bon. Attendez, attendez, attendez. Stratégiquement, est-ce que quelqu'un, ouais, si quelqu'un se met sur le rocher là, il peut avoir visu sur nous. On va pas mettre de fenêtre au rez-de-chaussée. C'est pas grave, on s'en fout. N'ayez pas peur. Hop, mur. Vas-y gros, monte. Voilà. Donc je peux en poser 3. Je vais en poser 3. Enfin, je vais en poser 3, je vais poser 3 cadres. Ok. Vas-y, dans l'autre sens. Voilà, et on va remplir déjà ces 3 cadres. Ça sera déjà un bon début. On va remplir ici en premier. Voilà, on met les clous. Là, on met les clous aussi. Combien j'en ai encore sur moi? 27. J'ai pas trop faim, j'ai pas trop soif. Écoutez, je vais pas vous faire. Je vais pas vous imposer le calvaire de taper sur des bouts de bois. On se retrouve au fur et à mesure, hein, quand la situation avance. Allez, go! J'espère que c'est pas trop bruyant et qu'on m'entend pas à Babelouette parce que j'ai pas envie que les autres abrutis du Comico là-bas viennent voir qui c'est le bûcheron fou qui frappe à 8h du matin. Parce que là, de toute évidence, le soleil se lève. Bon, c'est peut-être plus 8h du matin, mais ça doit être au moins 10h du mat, quoi. Ouais, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Allons-y. De toute évidence, j'ai jamais fait gaffe, mais on n'a pas de système de poids. Non, il n'y a pas de système de poids, donc je peux me gaver de bois. Eh ben c'est ce que je vais faire, je vais me gaver de bois. Et de 1. Et de 2. Là, on va mettre le bois dedans, comme ça, j'aurai plus qu'à mettre le code lock dedans. Voilà. Là, on va fermer aussi. Allons-y, on continue. Logique. Pourquoi c'est en biais? Okay. Bon, c'est chiant par contre, à chaque fois on est obligé de retourner dans le menu pour. Bon, c'est pas grave, c'est la vie, hein, mais bon. Quoi? Ah oui, d'accord, j'en ai 3 en cours, donc je suis cravaté. Ok, 12 clous, 18 bouts de bois. Bon, on est reparti, les gars, on est reparti. Allez, on est plein à craquer, on y retourne. Heureusement qu'il n'y a pas de poids, parce que sinon, on serait triste. Et de 1, et de 2, on en a encore 3 à faire, allons-y. Et on sera plus ou moins à l'abri des balles de ce côté, on va dire, mais que de ce côté. Voilà. On met du bois dedans, gros, s'il te plaît. 18 sur 18. 18 sur 18. On va prendre quelques petits clous-clous. Bien sûr, c'est pas là. Alors, fausse impression de sécurité. Parce que là, tout le monde peut passer à travers. Hein. Oh merde. Je vais regarder un truc. Je sais pas si on pourrait pas faire un petit truc là. Tu sais, genre mettre une fenêtre ici, une fenêtre en dessous, mais par contre, il faudrait un accès. Et un accès, un accès, un accès, il aurait fallu que je mette un escalier. Est-ce que quelqu'un peut accéder à mes coffres par en dessous? Sur Arma, il y a un putain de vieux bug comme ça où les mecs ils peuvent accéder à tes coffres par en dessous, c'est tout à fait la misère. Le craft, on a dit. Craft, article. Le talkie-walkie cassé pour un... Ah oui, d'accord, pour fabriquer un talkie-walkie. Donc ça, pour fabriquer, il nous faut rien. Ok, moi, ce que je veux, c'est ça. Donc, il nous faut 5 pièces de rechange, ou 6. 5. Ok. Deux batteries, on les a. 4 composants élec. Et un kit de répar. Ok, ben, il nous faudra trouver des lampes. On pourrait désassembler des lampes, tu me diras, je suis con, moi. Attends.
sur ma MP5, j'avais pas une lampe. Bon, peu importe. Allons-y. Bon, ça va, pour le moment, la faim et la soif descendent pas trop vite. Quoi? Ah, je suis cravaté, je peux plus monter. Je peux plus monter chez moi. Faut que je fasse un escalier ici, j'ai pas le choix. Mur. C'est pas tellement des murs que je souhaiterais avoir là, c'est quoi? Mais non, je m'en fous de ça. Dans quoi je vais trouver ça? Escalier, non? Oui, escalier. Et là, je peux mettre. Dites-moi pas que je peux pas mettre un escalier, hein. Ça me ferait de la peine. Hein. Arrêtez, hein. Faites pas les cons, les gars. Quoi? Ah, mais je peux le mettre comme ça? Oh, c'est bien comme ça. Tu sais que ça serait pas mal. Fais voir. Ouais, mais là il est pas collé à. Si? Ah non, c'est super moche. Est-ce que je peux le virer? Déjà, est-ce que j'ai une interaction avec cette merdasse là? Pas du tout. Ah ouais, bravo! Et comment je vais faire pour le virer? Si, j'ai désassemblé. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est bloqué? L'objet est bloqué par quoi? Oh non, 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 arrêtez vos conneries. Eh, s'il vous plaît. Bah, attends, est-ce que je peux désassembler ça? Est-ce que je vais perdre tout ce qu'il y a dedans? Il y a des chances. Ah merde. J'avais pas envisagé ce problème. Et si je le fabrique, qu'est-ce qui se passe? Bon, on va voir. Hein. Bon, bah déjà, on a un escalier, quoi. Ouais. C'est à peu près en face de la porte, quoi. Ouais, c'est déjà un début, on va dire. Bon, là, on est bon. Maintenant, on va refaire un escalier ici pour pouvoir monter là-haut. Ok. Murek escalier. Là. Voilà, là, on peut monter là. Maintenant, il va falloir qu'on fasse des petites... Des petites dallettes. Allons-y. Petite dalle. Ouais. Une. Et une autre, s'il vous plaît. On peut la faire tout de suite, là? Oh. Ok. B. Pourquoi je peux plus rien construire, moi? Qu'est-ce qui se passe, là? Allons-y. Ok, c'est un début. C'est pas mal hein, déjà. Dis donc, on a un joli petit visu là, sur les alentours. Par contre, là, ce que j'aime pas, c'est que là, ils ont un visu s'ils montent sur le rocher. Ah bon, c'est pas grave. Ouais, là je pense qu'il faut rien mettre. Ok, c'est plus sûr. Bon, c'est un début. Ici, c'est pareil. Ici, on va fermer. On va fermer parce que si les mecs rentrent, autant qu'ils aient le plus de boulot possible pour arriver jusqu'en haut. Donc on va mettre... On mettra, plus tard, un mur ici avec une porte ici. Comme ça, les mecs, il leur faudra péter ici déjà un C4, un autre C4 ici. Si on est un peu joueur, on peut remettre encore une porte ici. Ça fait déjà 3 C4. Je pense que 3 C4, déjà, ça commence à calmer un petit peu. À mon avis.
Ok, on y retourne. Tout le monde au bois, les gars. T'en fous, maintenant on a un escalier. Bon, les petits amis, 15 minutes plus tard, nous frappons encore du bois. Et heureusement que les outils n'ont pas une durée de vie et qu'il faut pas aller en racheter au bout d'un certain temps. Parce que là, je serais triste, hein, je vous le dis. Hein. Putain. Ok. Alors, on va déjà faire ceci. Oh, quand tu veux. Voilà. Ok. Ouais. Après, est-ce qu'il faut fermer ici tant qu'on n'a pas... C'est dangereux parce que des mecs pourraient se cacher à l'étage. Ouais, c'est une possibilité. Si je mets les murs ici, les mecs peuvent se planquer à l'étage. Après, est-ce qu'ils iraient se planquer à l'étage? Rien n'est moins sûr. Ici, par contre, je pourrais en profiter pour remettre un escalier. Ouais. Ouais, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Fais voir. Est-ce qu'il voudrait venir là, lui? Ici. Ah, ça pourrait être sympa là, non? Ouais. Pourquoi pas? Ça dérange pas en plus. Tu sais, on monte là, on passe dessous, hop, tranquille. Et si on veut fermer les deux accès, on peut fermer ici. Ouais, ça se tente, je pense. Vas-y. Ah, j'ai plus de clous? Déjà, j'ai bouffé 100 clous avec ces conneries. Putain, c'est tendax. Hein. Oh là là, oui, c'est très tendax. Bon, bah, c'est la vie. Pas très beau, ça. Pas très joli. C'est pas grave. Ouais, il y a un truc aussi qu'il faudra qu'on prenne en compte, c'est que quand t'es dessous, tu sais où sont les coffres. Tu vois, tu vois les... Tu vois les pieds des coffres. Et ça, c'est ennuyeux. Tiens, je vais changer d'arbre, histoire de rigoler. Je check qu'il n'y ait pas un truc qui se passe juste à côté de chez moi, parce que c'est pas bien le moment. Ok, on y retourne une fois de plus. Alors bien entendu, tout ça, il faudra le clore avec une jolie petite enceinte. Pas besoin qu'elle soit très très grande parce que de toute façon pour le moment il n'y a pas de véhicule. Mais il faut quand même mettre une enceinte parce que sinon on va se retrouver comme des cons. C'est à dire que les mecs, on va pas leur faciliter la vie, hein, bien entendu. Voilà, donc à choisir. S'ils doivent rentrer, il faut qu'ils pètent le max de C4. Qu'est-ce qu'on a de beau dans la construction? Tu vas voir les murs. Ça c'est quoi ça? Ça c'est les murs d'angle. C'est joli les murs d'angle. Mur d'angle, et ça c'est un... Et ouais, mais je les mets où ça? Par exemple. Ce module doit être fixé au châssis. Je l'accepte. Comment? Comment tu veux fixer ça au châssis? J'ai pas vu de... J'ai pas vu d'arrondi. Ou alors j'ai mal regardé. Tu vois? Bah... J'ai juste ça. Tu vois? Ouais, mais ça, y a pas d'intérêt à ce que je fasse un truc comme ça ici. Fait tourner. Je vois pas, non, directement. Ça ne saisit pas trop. Non, ça ne présente pas d'intérêt majeur pour moi. Fais voir dans les murs, il y a des... Non, mais arrête. Ils sont cons. Murs. Est-ce qu'il y a des murs? Il n'y a pas des arrondis avec portes par contre, tu vois, ça c'est chiant. Ça n'existe pas pour le moment. Arrête, c'est bon, arrêtez de m'emmerder. Ok. Un de plus. Et un de plus. Ok. Ah, oh, comme c'est bien quand t'as tout sur toi. Par contre, d'un coup, t'as plus rien sur toi, quoi. Ici, on va remettre une fonda. Parce que ici, ça va être notre petit palier d'arrivée. Oh putain, mais de là, on a une vue magnifique. Formidable. Mirifique. Allez, allons-y. Faisons des petites dalles. Voilà.
Peut-être pas ici parce que ça va gêner plus qu'autre chose. Ici plutôt. Ouais. Voilà. On va refaire comme en bas, pareil. Ok. Et là, si j'avance, je tombe, c'est ça? Voilà. Ah, j'ai plus quoi de bois, d'accord. Bon, bah écoute. On redescend, on redescend, on redescend, les gars. Personne ne nous attend pour nous tuer, j'espère. Qu'est-ce qu'il me reste en plus? 53, ça devrait faire la maille. Changement d'arbre. Ça ne sert à rien, mais ça me fait plaisir. J'ai très soif. Le scénario le pire, c'est que je me fasse tuer ici. Et que je donne un token. Parce que là, le mec... est à côté de la base est grande ouverte. Il prend le token, il a une heure pour vider trois coffres, deux coffres, c'est la fête. Ok, on est plein, on y retourne. On va en profiter tant qu'on est là pour en poser un ici. Quoi? Ah ouais, pardon. B. Ok, donc là on est plutôt pas mal. Maintenant, un sol. Un autre. Et un autre. Plus de bois. Déjà? Putain, comment c'est rude. Et là, par contre, on va reposer donc le palier. Alors, le palier, est-ce qu'on pourrait le poser comme ça? Est-ce que ça servira à quelque chose de le poser comme ça? Peut-être, oui. Non. Sauf que là, non. Bah non, en fait, ça servira à rien de le poser comme ça. Parce que notre porte ne serait pas du bon côté. Donc non. Non, non, on va poser un palier normal. Voilà. Ok. Ok. Hop, 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 j'ai très soif. Mais non, mais arrête-toi, t'es con toi. Ok, en clou, j'en suis à combien? 9, il va falloir que je reprenne. Putain, j'en ai bouffé. Hein. Oh nom de Dieu. Heureusement qu'on touche au but. Mais je crois qu'il y fallait bien tout. Ok les gars, bon, notre construction a commencé d'avancer un peu, donc il nous manque toujours les pièces de rechange pour poser cette porte pour être enfin chez nous. C'est pas très très beau, mais ça présente au moins l'avantage d'être fonctionnel. Là, il suffit de sauter pour monter. Ok, j'ai mis un petit point de réapparition. On a du visu, tu vois, sur notre petit camarade là-bas qui fait le con vers la voiture. On pourrait déjà décider de la fuster d'ici si on voulait. Un petit visu sud. Et on voit un petit peu Azovstal là-bas au loin, les usines détruites, c'est très bien. On monte, on a notre plateforme où on mettra des sacs de sable tout autour, mais pour mettre des sacs de sable, il va nous falloir beaucoup de toile de jute parce que c'est 6 pour faire une longueur.
Donc il va nous en falloir vraiment beaucoup. Mais on va faire au fur et à mesure. Et bon bah là j'ai pas mis de code lock, ça ne sert à rien. Là on pourrait fermer, je pense qu'on fermera ici. On mettra une porte à code lock aussi. Parce que comme ça, ça évitera les embrouilles. Si les mecs veulent rentrer, il faudra qu'ils pètent celle-là, qu'ils pètent celle d'en dessus. Et bien entendu, on mettra une enceinte autour. Le problème d'une enceinte, c'est que ça va nous coûter un bras et demi. Les murs, c'est pas ça que je veux. Non, 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 je veux ça. Alors les sacs de sable, ouais, ça vaut 6. 6, c'est trop. Calmez-vous. Ce que je voulais voir, c'est ça. Oh, ils sont où, mais... Putain. Barrière. Barrière. Ah oui, non, mais j'ai pas les... Ok. C'est 22 clous et 45 bois. D'accord. Et ça, c'est... Ouais, en clous, ça va. Ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va. Ok. On cernera tout ça. C'est ici, on va se faire chier pour poser de la clôture, mais il faudra bien qu'on y arrive. Il faudra bien qu'on y arrive, quoi qu'il arrive. Bon, très bien. Allez, je descends chez le trader, voir ce qui reste. Trader du Sud. Si on a des pièces de rechange, là, des... Oui, que je puisse poser enfin la porte à code lock. Et on se retrouve tout à l'heure, quand Jay sera de retour. Et je sais pas ce qu'on fera, on va voir. On va continuer de faire comme d'habitude. Je pense qu'on va essayer de faire des sous. Faire des sous, racheter quelques clous. Et puis faire quelques missions amusantes. Bon, allez, on se retrouve tout de suite. Ok, bon les gars, on fait la petite pause casse-croûte là, parce que c'est mérité. Coup de bol pour moi, j'ai été me balader un peu aux alentours et je suis tombé dans la carcasse d'un vieux V3S sur un des éléments qui me manquait pour fabriquer enfin le code lock. Donc normalement, on a de quoi fermer notre base. Donc on va le faire. On a les 6 composants. Ça, on en a largement assez. On a ça, on a ça. On va aller dans le craft. Et nous allons crafter immédiatement, sans tarder, ceci. Et non pas ceci, on aurait l'air con. Allez, fais une serrure électronique, mon gars. On la pose sur la porte et on sera enfin chez nous. La basette est fermée. Alors, bien entendu, c'est une première itération. N'oubliez pas de le ramasser, ça le pose par terre. C'est une première itération de la basette, hein, bien sûr. Et voilà, voilà, voilà. Donc, on n'a plus qu'à taper le code. Et voilà, c'est fait. Donc, on fait un petit tour rapide. Vas-y, ferme, s'il te plaît. Voilà à quoi ça ressemble à l'heure actuelle. Oh, c'est un pauvre cube, hein. Je suis désolé. C'est vrai que c'est pas super joli. Y'a personne là-bas, non? Je vérifie quand même. C'est pas super joli, mais bon, ça a l'avantage d'être compact. On mettra donc des sacs de sable autour, là-haut. Et puis après, bah, après on va commencer de fermer. Va falloir qu'on ferme autour, et c'est ça qui m'ennuie, c'est ici. C'est ici, parce que si j'arrive à mettre des barricades ici, les mecs peuvent monter là et j'imagine... Ah, je sais pas s'ils peuvent sauter, j'en sais rien, on verra. Sinon, on clôturera plus large. Peut-être qu'on pourrait annexer une partie des rochers, je sais pas. Enfin, après, il me faudrait aussi un arbre dans la base pour bien faire. Mais pour le moment, on n'en est pas là. Parce que pour tirer une barrière jusqu'ici, ça va me faire poser de la barricade quand même. Ça se tente, hein, ceci dit. Ok, donc maintenant il va nous rester à fermer, bien entendu, les paliers. Pour pas que les mecs puissent monter trop facilement. Moi, de toute façon, vous connaissez ma stratégie anti-raid. Hein. C'est avoir le minimum de stuff possible. Donc je compte pas mettre beaucoup, beaucoup de coffres. On verra comment ça va se passer. Mais moins t'as de trucs à raid, moins t'es triste quand on te raid. Et de toute façon, plus c'est économique. Donc là, si on voulait bien faire, on pourrait faire un petit test depuis la base. S'il y avait un pauvre PNJ qui vienne. Mais de toute évidence, il n'y en a pas un qui vient. Donc écoutez, pour finir cet épisode, eh ben, on va aller faire un petit peu de bagarrette. Hein, parce qu'on est comme ça. On va descendre à la station radio. On va aller leur tirer dessus, histoire de rigoler. Alors qu'est-ce que je vais poser? Je vais poser tout ce qui sert à rien. Qu'est-ce que j'ai à poser qui sert à rien? Ça, bien sûr. Plus ça. Donc il va falloir qu'on refasse encore des code lock. Hein. Ça c'est pas la rigolade. Hein. Obligé. Hein. Bon, ça... Ah, j'ai ma MP5 aussi. Est-ce que je prends la MP5? Est-ce que j'ai des balles? Je ne sais pas. On va voir. Ça, c'est de la merdasse. On va le poser. On va se prendre...
Allez, vas-y, à la dégoûter, on y va. On va empiler un peu tout ça. Voilà, on va poser des rags parce qu'on va pas en avoir besoin non plus de 75. Le gilet de chasseur, on va le poser là-dedans aussi. Donc j'ai largement assez de... Ouais, j'en ai largement assez. Et ça, il va m'en falloir un petit peu. Ok, et eh ben écoutez, on est équipé. J'ai pas de viseur, tant pis. Hein. On va essayer d'aller taper les coyotes. Et on va essayer de pas trop se faire tuer si possible. Histoire de récupérer un vrai sac à dos, peut-être un gilet tactique, un ou deux casques. Ouais. On va voir ce qu'on peut faire. Pour le moment, j'en vois pas autour, là, c'est plutôt bon signe. Où ils sont? C'est la grève ou bien les gars là? Y'a personne. Est-ce que ça aurait déjà été fait? Quand ça veut les piles. Alors des piles on en aura besoin. Sans rire, y'a personne? Sur le toit, il n'y a personne. En bas, il n'y a personne. Ça sent le piège. On va descendre voir doucement, tranquillement. Objectif, c'est vraiment de finir dans le calme, avec un petit peu de bagarre, et récupérer du matos. On a de la chance d'avoir cette station radio commissariat là, juste à côté, là, parce que c'est vrai qu'il y a souvent du bon matos dedans. Alors ça peut drainer des joueurs, mais enfin bon, c'est un peu le jeu. C'est pas normal qu'il y ait personne. On est bien d'accord. Alors je veux bien que sur le jeu, il est à peu près 17 h, donc c'est la fin du service, on va dire. Mais quand même, c'est joli là, les ronds dans l'eau. Je vais tomber sur des vrais joueurs, tu vas avoir le boulot. Ah, très bon. Très bon, très bon, il va vite nous falloir beaucoup de code lock. Je suis assez étonné de cette histoire. Ouais, d'accord. Écoute, dans la maison, on va le prendre. Oh, très bon ça aussi. Ça c'est quoi? Un briquet, très bizarre. Toujours personne. Écoutez, on va continuer, tant pis, hein. Les montres, je sais même pas pourquoi je ramasse les montres. Je trouve que c'est pas très fluide quand on est dans ce bâtiment. Ah voilà, c'était ça que je cherchais. Un gilet de terrain sans tuer personne. Écoutez, ça sera la soirée non violente. Très bien. Peut-être, hein, je dis bien. Oh, selon toute logique, un humain est passé avant moi. Écoute, on aura trouvé 2-3 merdouilles. Déjà fait? Non, je l'ai pas fait. Tiens, bah, des plaques de métal. Allez.
Et un Tokyo Wall qui cassait, magnifique, formidable. Toujours personne là-haut. Toujours personne. Des composants électroniques, c'est très bien. Du 12, écoute. Je l'accepte. Et est-ce qu'on pourrait pas monter? Mais bien sûr qu'on peut monter. Ma maison. Alors, nous voilà sur le toit. Y'a rien sur le toit. On est bien d'accord. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, c'est pas grave. On va redescendre dans le calme, on va aller poser notre bordel. Faut peut-être pas qu'on se tue pour redescendre. Ah oui, mais merde. Comment j'étais monté, moi? Ennuyeux, ça. Ah non, c'est là. Ça va, ça va, ça va, ça va, j'ai pas pris de dégâts de chute. Bon, bah écoutez, hein. À l'heure actuelle... pas de patrouille. Petit tour rapide et gratuit. Pas gratuit. On va quand même récupérer des trucs. S'en fout. Rien là-dedans. On peut se cacher là-dedans peut-être. Magnifique. Énorme. Formidable. Ok, bon, on reste pas là inutilement. On décarre. Écoute, c'est la première fois que je viens là où il y a personne. Donc je pense qu'ils se sont fait décimer récemment. C'est pas grave, on s'en fout, tant pis pour eux. Nous, on va rentrer tranquille à la maison. On va poser notre fourbi. Et la prochaine fois, on ira chercher des composants pour faire un autre codelock. Parce que là, il va falloir qu'on commence sévèrement à faire les sacs de sable et puis aussi et puis un tour, quoi. Il nous faut un tour à cette base, on peut pas la laisser comme ça. Alors bien entendu, ne pas se faire tuer à proximité de la base, c'est ce qu'il y a de pire. Surtout quand tu ouvres ta porte. Voilà, très bien. Bon, bah écoutez, on va en rester là tranquille, hein. Ça aurait été une petite sortie plutôt calme. Donc portez-vous bien, faites pas les dingos. Et la prochaine fois, on partira chercher des composants pour aller se refaire encore des trucs. Est-ce que je leur répare ce truc? Je sais qu'on peut faire des talkie-walkie, hein. J'en ai conscience. Avec un talkie-walkie, tu peux entendre les AI, ça fait des petits craquouillis et tout. Le problème, c'est que j'ai besoin de composants électroniques pour faire des code locks. Bon. On verra ça. À la prochaine. Portez-vous bien, faites pas les dingues et restez calme. À bientôt.